Samedi 15 avril, Lazara a accordé un entretien exclusif à 20 minutes. Auprès de nos confrères, la représentante de la France s'est livrée sur sa prestation scénique hors norme et dangereuse, du jamais vu dans le concours. Révélée en 2021 avec le titre Tu t'en iras, la chanteuse Lazara a conquis le public francophone et international. Grâce à sa large diffusion en radio et à la télévision, ce même titre a été certifié single de platine. Et l'artiste a été nommé comme révélation francophone à la cérémonie des Energy Music Awards en 2021. Le samedi 13 mai prochain sera une date importante dans la carrière de Lazara. En effet, la jeune femme représentera la France au prestigieux concours de l'Eurovision. Cette année, le concours européen de la chanson se tiendra à Liverpool au Royaume-Uni. Et c'est à cette occasion que l'artiste canadienne interprétera son titre phare évidemment face à 36 autres compétiteurs. Lazara enchaîne actuellement les séries de concerts pré-Eurovision avant la date fatidique du 13 mai. Et si est-il juste avant son concert prévu à Amsterdam aux Pays-Bas ce samedi 15 avril, qu'elle s'est confiée sans tabou au micro de nos confrères de 20 minutes. Pour la première fois, Lazara a dévoilé de plus amples détails sur sa prochaine prestation scénique qui sera spectaculaire et dangereuse. Je ferai ça pour la France. Lorsque 20 minutes lui a posé cette fameuse question ce samedi 15 avril, vous avez dit que votre mise en scène pour l'Eurovision serait dangereuse? Lazara a répondu sans filtre, oui. On va prendre des assurances, rire. Avant de continuer avec quelques révélations supplémentaires, oui pour de vrai. On va faire quelque chose dont j'ai très peur. Je ferai ça pour la France. Rire, je dépasserai mes limites. Pour l'heure et même si Lazara n'a pas donné d'autres éléments plus explicites, son spectacle réservera de belles surprises. Nul doute que le public présent à l'Eurovision et les millions de téléspectateurs dans le monde seront agréablement surpris par ce show inédit.